Les Nations Unies ont beaucoup de mal à distribuer l'aide humanitaire en Syrie. Les habitants de la province d'Idlib ont décidé de distribuer eux-mêmes des aliments à ceux qui en ont le plus besoin. Les Syriens leur en sont très reconnaissants, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit une bonne solution à long terme. Une vidéo diffusée par Reuters montre des bénévoles en train de distribuer des colis d'aide aux habitants de la province d'Idlib. Nous distribuons ces aliments aux personnes qui en ont le besoin le plus urgent. Ce sont des personnes qui ont subi les raids de l'armée. Certains ont vu leur maison brûler et d'autres n'ont rien à manger. Mais après 15 mois de troubles, c'est toute l'aide qu'ils peuvent apporter. Ils distribuent de la nourriture, merci beaucoup à eux, mais qu'est-ce que cela va changer? Cela fait un an et demi que c'est comme ça. Qu'est-ce que cela change? Ils ont brûlé leur maison, que Dieu ait pitié d'eux. Les Nations Unies font face à de grandes difficultés pour distribuer l'aide humanitaire aux plus de 1 million de personnes qui en ont besoin en Syrie.